Arthur, un clap. Bonsoir. Ça se voit qu'on regarde en vidéo. Bonsoir. Tabouret. Allez, vas-y, on fait l'intro avec les langues. Les langues, les gars. 3, 2, 1. Latin. Ah non. Et ça, c'est Google Traduction? Oui, mais le truc, c'est que c'est en gros, je sais pas si ma prof de latin en 5e me regarde. Je me rappelle plus de rien. Mais vraiment rien. Je me rappelle, j'avais posé une question. Je me suis dit, je devais te poser la question. Pourquoi on étudie une langue qui est morte? Elle m'a convoqué. Apparemment, c'est parce que ça permet de mieux apprendre d'autres langues. Parce que c'est un peu la. Oui, la, non, mais c'est une base. C'est une base. Après, c'est pas comme si tu vas arriver devant quelqu'un. Somo, somo, teis, somo, retum. Écoutez-nous, on écoute. IPBROS Olivier et Stephanus a parodie et bros. Odie qui incredibile en video con credi. C'est l'italien ça? Ouais, on dirait de l'italien espagnol. Après, peut-être que le mec aussi l'a prononcé comme si c'était un italien, quoi, tu vois. Bah ouais. Je pense que sincèrement, c'est la langue où j'ai eu le plus peur à réaliser, mais par contre, c'est la plus simple. On a écrit un paragraphe, frère, regarde la. C'est deux mots, frère. C'est deux mots. IPBROS Olivier et Stephanus. Et parodie. Ah, Bros. Olivier et Stéphanus Bros. Olivier et Stéphanus Bros. OJ qui est incredible. Vidéo con credi. Voilà. Latin. Stéphanus. Olivier Lous, Stéphanus. Acarabus. Bon, les pibros, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. On a des pépites. Parce que voilà, on voulait réagir à certaines vidéos parce que la nouvelle génération, elle est beaucoup critiquée par rapport à leur originalité. C'est tout à fait légitime, je trouve. Oui, ouais, voilà. C'est... Mais l'ancienne génération a aussi des dossiers. Et beaucoup de dossiers. On va réagir ensemble à des vidéos d'enfants qui font les insolents ou qui sont marrants à la télé. Et je trouve que même les enfants, ils ont aucune, comment dire, ils ont pas peur, ils ont pas de filtre. Ils ont pas de filtre en fait, ils ont pas de filtre. Si t'es moche, ils te disent t'es moche. Si tu pues, ils te disent tu pues. Et malheureusement, on l'a trop souvent entendu. Ouais, moi j'ai trop souvent entendu à mon époque, c'est vrai que même encore aujourd'hui. Je sais pas, pourtant je me lave deux fois. Ouais, mon haleine, on l'a dit. Tu te laves deux fois aussi, non? Allez, c'est parti. Vamos. Ok. À ton avis, comment on fait les bébés? Bah, on met une graine dans l'oreille et après ça tombe dans le ventre et après. De l'oreille, ça tombe dans le ventre. Oh, je mignon. Voudrais avoir la version d'Alexis parce que c'est. Elle a vu, la fait madame. Meuf. C'est parce que ce madame. Moi, je connais. Non, c'est parce que madame Koula m'a dit en CE1. Hein. C'est pas ça. Oh, purée. Très important, comment fait-on des bébés, Alexis? Alors, comme oui. Nous sommes des mammifères. La graine. Oh, c'est des gamins quand même, techniquement, parce qu'il a dit. Alors, comme nous sommes des mammifères, on dirait qu'ils ont fait une standing ovation. Oh mon dieu! Ouais, magnifique! Oh là là! Nous sommes des mammifères, bravo! Il est pas con ce petit. Mais il est pas con, mais c'est. Voilà! Mais la c'est moi qui. Après, c'est étonnant. Tu vas pas t'attendre à ce qu'un enfant te dise, comme nous sommes des mammifères. C'est vrai, mais ils ont fait une standing ovation. Je vais dire, wow! Alors, vas-y, essaye de le faire. Bonjour! Bonjour! Là, devant le micro. Bonjour! Je me prénomine Micheline. Je suis célibataire en Turquie. Non, pas célibataire en Turquie. Faute de pouvoir apporter une solution immédiate, Julien Courbet a une proposition à faire à Théo. Dis-moi bonhomme, tu m'as dit tout à l'heure que t'aimais le football? Oui. Ah, Théo, ça te dirait de voir un match de l'équipe de France au Stade de France? Non. Merci. Il a le micro. Non, j'ai pas testé. Ah, okay. Les fans de foot, c'est juste pas l'équipe de France. De France. Après, ça dépend à quelle époque. Mais même. Non, il y a des limites. À une certaine époque où il y avait du Savidan, tout ça. Bah, j'aurais dit oui, mais bon. Comme il a dit, au calme. Ah oui, non. Oh, le mec là. Ok, très bien. Imagine son père ou sa mère sont en mode. Mais t'es malade. Je te jure, j'aurais bien aimé savoir. C'est quoi le pire des gros mots? Bah. C'est ta gueule. Oh oui, ta gueule, maman a dit ça. Ah, elle dit ça à qui? Bah, au monsieur, comme la voiture pour aller à l'école. Il dit, ta gueule. Elle dit quoi encore? Bah, il dit, je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Yeah. C'est vrai que les enfants, ils retiennent tout, les gars. C'est pour ça, je parle voilà, aux plus âgés, ou les grands frères, les grandes sœurs. Les mamans, les papas. Ouais, faites attention parce qu'ils entendent de tout. Fou. Parce que même moi, une fois, j'ai dit un truc et le gamin, il a ressorti ça deux secondes après. J'ai. Mince. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez dans nos vidéos, on ne dit pas des insultes. Ou sinon, on les bip. Ou sinon, quand on joue à FIFA,
Vous m'entendez à chaque fois dire purée. Ouais, mais c'est vrai que parfois en live sur notre Twitch, les parodies bro et Pébro Steph. T'as vu comment j'ai tendu la perche? Je sais, je l'ai vu, j'ai fait donne-moi, j'arrive. Attends, ton PC là. Ah, voilà. Et donc du coup, on est en live une à deux fois par semaine. Donc vous pouvez jouer contre nous, avec nous, tout ce que vous voulez. Et rigoler avec nous, c'est important. Surtout rigoler avec nous, donc venez très nombreux. Ah là là, on continue. Qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Bah, il vend des choses, il crée sa propre société. Et donc, ça n'a pas l'air de t'emballer, cette histoire-là. Bah, il gagne presque pas d'argent. Ah. Et maman, elle fait quoi, alors? Elle va faire de la manucure, ça m'emballe encore moins. Déjà, juste, comment il parle? On dirait que le mec, il a déjà une petite fortune en mode... Non, mais... Hey. Ma mère, ça m'ennuie un peu plus. Non, ça, par contre, dans les commentaires, mettez, voilà, je t'aime, maman, je t'aime, papa, merci pour tout, parce que on se rend pas compte, c'est quand on est grand, parce que voilà, on a tous eu une phase pré-adolescent, où à chaque fois, on est en mode... T'es rebelle. Voilà, on veut la liberté et tout ça, mais après, quand t'es adulte, c'est là où tu te rends compte que tes parents, ils sont en train de te nourrir, loger, gratuit, ils sont en train de payer l'eau, l'électricité, les jeux de Fortnite, les cartes fut, tout ça, donc... De A à Z. De A à Z, donc merci, les parents. Beaucoup. Nos parents, merci. Papa, maman, merci beaucoup. Parce que là, il y a pas beaucoup d'argent. Je jure. MDR, vas-y, fais-le. Ouais, je joue. Bah, va bosser. Purée. MDR. Est-ce que tu peux nous dire l'entraîneur de Saint-Etienne? Christophe Galtier. D'accord. Comment s'appelle le club de Nîmes? Quoi? Le club de Nîmes. Je connais pas trop en Ligue 2, moi. Nous sommes désolés pour le Non, et par contre, mais non. Mais Nîmes, ils sont en Ligue 1 ou en Ligue 2, là? Nouvelle génération, ancienne génération, on a tous été enfants, on est tous insolents. Parce qu'on n'a pas de filtre. En fait, on sait pas quand on blesse quelqu'un. Ouais. On dit ce qu'on en pense. Oui, et je trouve que c'est d'écouter, c'est bien. Ouais, mais c'est chaud. Oui, mais bon, d'un coup, mais c'est bien. En fait, aujourd'hui, dans la vie, il faut être honnête. Faut être honnête. T'aimes pas, tu dis t'aimes pas. T'aimes, tu dis que tu aimes. Quand les gens sont pas honnêtes, tu l'entends ou tu le vois. Soit il y a un sourcil qui commence à. Ou un œil qui commence à. Tu vois, on sait. Ou sinon, la voix monte dans les aigus. T'aimes bien mon haut? Ouais. Ouais, bien, après c'est l'autre. Mon premier amoureux c'était Julien, mais on s'est fait un bisou et lui il a aimé mais pas moi. Pourquoi toi t'as pas aimé, lui on sait à peu près pourquoi il a aimé. Mais parce qu'il est moche. Mais moche. Une fois il a fait une doigt d'honneur. Hey, tu veux que je te dise Julie, t'as bien fait de le quitter. Tu le regrettes? Bah oui. Et... Non mais hey, c'est cash. Il est moche. Purée, dernière mode, parce qu'il est moche. Hey, en vrai, après c'est là où aussi on vous dit qu'il n'y a pas de différence entre avant et maintenant. Avant elle dit ouais il est moche, mais non on dit ouais c'est un schlag. C'est ça tu vois. Et tous les mots ont changé. Et tout ce que c'est avec TikTok à l'époque, il y aurait eu des pépites encore plus qu'aujourd'hui. Ah, mais oui, largement. Ah, largement, largement. Bah oui. Mais là, ça veut dire. Il est moche. Parce que les paroles sont en mode. Oh, la nouvelle génération, ils sont assez insolents. Ils sont un peu. Pas mieux. Ils sont un peu dérangés. Et vous, à votre époque, comment vous étiez? J'allais pas la question, c'était mon époque. Écoutez, moi, j'étais jeune. Bah, eux aussi, oui. J'étais jeune et tout, j'étais responsable. Non. Écoute. Par contre, je vois bien, mais savoir si. Parce que nos parents, ils ont fait comme. Non, moi, j'en vois pas. Ah, comme Ghost Chronic? Ouais. Je sais pas, j'aurais pas le savoir. Ouais, moi aussi. Je pense que je le regarderais bizarre. T'imagines, notre père, elle a fait la garde à vue? Non. Mais non. Allô, maman? On est en train de tourner une vidéo là. Est-ce que vous avez fait des bêtises en mode garde à vue, ce genre de choses? Hein? Toi? Oh, ok, j'ai eu peur. T'as fait? Attends, et papa? Ah, mais non. Et papa, il a fait de la garde à vue? Ah, sa connaissance, non. Non, on ne fait plus jamais ça. D'accord. J'ai chaud. Ouais. Ok, t'étais pas fait arrêter, non. C'est bien. Continuez comme ça. Voilà, nous on a pris juste une fois comme ça. Non. A tout de suite, maman. Nos paroles l'ont pas fait. Ouais, c'est bon. J'ai chaud. Bon, il faut quand même qu'on appelle papa. Bouche, tu as la bouche? Oui. Mais tu prends ton temps, tu t'énerves pas. Doucement, tendrement, hein. D'accord. T'es prêt? Oui. Fais gaffe parce qu'elle est grande. Ah, c'est mis sur ses genoux. Enzo, est-ce que tu as vu, entendu ou vécu quelque chose? Les deux. J'étais sous le lit et ma mère... T'étais sous le lit? Ouais. Le lit de qui? De ma mère. Et après, ma mère, elle a fait des cris bizarres. Elle a fait des cris bizarres. Elle a dit ça fait du bien. Oh non. À ton avis, qu'est-ce qui se passait? Ben...
il faisait cracra boum boum. T'as quel âge toi? Alors, autre discussion. J'aimerais... Non. Oui, on met la graine dans les... la foufounette. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est la... Mais ça rendait sale, frère. Oh là là. Delphine, la question qui embarrasse, ce serait quoi, Delphine? Bah, j'en laisse pas, c'est tout. Tu sais tout? Bah oui. Est-ce que tu sais comment on fait les enfants? Bien le savoir, toi, non? Oui. Bon, yeah. Il est cash. Eh, hey, moi, tu me parles, toi, tu sais. Ah, il fait du sport? Non. Qu'est-ce qu'il fait, alors? Body karaté. Il fait du body karaté, lui. Avec maman. C'est quoi le body karaté avec maman? Ça se pratique comment? Non. Bah, non. Je sais pas parce que je suis pas là, normalement je suis couchée. Systématiquement, toi, tu sais que quand tu vas te coucher, il y a séance de body karaté. Bah voilà. Et c'est... C'est tous les jeudis. Oh, il s'est carrément la tête. Ah ouais, carrément. Vous êtes une vidéo YouTube qu'on publie tous les dimanches à 11h sur les bords des gros choses. On se parle des gros choses. Ouais, c'est important. Oui, c'est très important. Mais quand, tous les jeudis, purée, c'est bien, c'est bien organisé. C'est genre un planning et tout. Purée, c'est bon. Elle s'appelle ta maman? Elle s'appelle Sabrina. Sabrina? Mon papa, il s'appelle... Qu'est-ce qu'elle fait, Sabrina? Elle fait toujours la vaisselle. Et pendant que maman, elle fait la vaisselle, qu'est-ce qu'il fait, papa, lui? Toujours dans son hamac le midi. Oh. Gros, va l'aider, non? Ah non, ça, par va l'aider, ça, frère. Ça, c'est fini. Ça, on n'est pas en médiéval, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ça, c'était fini. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, maintenant, c'est tout le monde. Tout le monde met la main à la pâte. Parce que voilà, les femmes, sans les femmes, nous les hommes, nous le sommes. Tu bégayes un peu trop. Après, ils vont dire qu'après que je fais exprès. Non, nous sommes rien sans elles. Et elles sont rien sans nous. On est complémentaires. C'est ça. Main dans la main. C'est ça. We are the world. We are the woman. Bah woman, parce qu'on parlait woman. Non, on est plus à court. On a bien commencé, mais après t'as dévié là. Et franchement, les gars, c'était au top du top. On a bien rigolé. Et aussi, tu vois que l'ancienne génération, ils ont aussi des belles pépites, tu vois. En tout cas, si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne The Power des Brochons. On se rapproche des 800 000. C'est juste incroyable. Merci beaucoup. Merci de vous abonner à notre Twitch. Donc, SpeeBrosTev et les Power du Bro. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode. Et aussi, un grand merci à Russ avec un. Parce que voilà, on a un setup d'exception. Exactement, de qualité. Calidale. Ce qui nous permet justement de faire des vidéos comme celle-ci, qui nous permet aussi de faire des lives de qualité à oui, sur oui, Twitch, voilà. Oui. Sur tous les lives, les gars. Et lives. Aussi de faire après des montages en 4K. Exactement. Incroyable. Incroyable, c'est pour la mettre plus méchante. Mais en tout cas, les pibros, profitez. Exactement. Bon, mais sur ce, en tout cas, les pibros, ciao.